ancien sénateur, ancien candidat au poste président Jean-Charles Moïse, condamné déclaration président américain. L'ICOE, c'est le système établi dans le pays qui permet au monde tant que trop capable de permettre pour faire déclaration. Ça, nous avons toujours dans le micro, qu'est-ce que Jean-Pierre Tello? L'ICOE, l'important, publiquement pour nous condamner le commandement président des États-Unis, Donald Trump. En même temps, tout, nous avons condamné le comportement, mais pas mal étonné tout. Ce n'est pas Trump qui fait la déclaration en soi, mais c'est le système qui fait. Le gouvernement haïtien, je ne sais pas quoi pour réagir. Parce que le journal Moïse symbolise le système. Donc, sans déclaration, moi, il y a un peu de monde qui parle de lui. Mais en même temps, tout me dit qu'il n'y a pas de mémoire courte. Parce que nous sommes dans la campagne là. Nous disons, on défend l'intégrité de nous. Dignité nous à tout le monde de nous. Nous disons en nous combattant l'ingérence, ça te capable d'aider nous à ramasser le caractère. Nous. Et nous disons, en change de forme de coopération nous avec le monde là, en base nous sur la coopération sud-sud, ça te capable d'aider nous à ramasser la dignité nous, à mobiliser les ressources que nous avons dans le pays, on te capable de chercher l'autonomie nous, et de dire que nous côté, nous chercher. Ça n'est pas l'autodétermination, non. Je dis, moi, déclaration, c'est déclaration qui humilie nos vrais haïtiens. Mais nous, on va étonner. Chaque fois, nous avons toujours trouvé ça. Si nous ne faisons pas ça, nous ne ça qui est important, les haïtiens, comment nous pouvons faire un accord pour nous lancer une mobilisation de nos haïtiens contre conscience, pour nous chercher des destins, par rapport à des salaires de nous, comme à qui? Je dis, n'importe qui pays, n'importe quelle personnalité politique dans le monde là, a continué à passer le visage dans le papier. Voilà, leader plateforme Petite Dessalines, et qui t'a parlé comme ça, Jean-Charles Moïse, dans le micro, qui était Jean-Pierre Taylor. Sous-bois parle, ancien candidat pour poste président de la dernière élection, homme d'affaires Éric Jean-Baptiste, regrette déclaration ça, qui passe en papier, dignité nous comme peuple. Il espérait, ça a servi nous de leçon pour dirigeants haïtiens, mettez devoir au peuple, il insistait. Sous nécessité pour nous prendre droit grand monde. Maintenant, nous attendons toujours dans le micro Radio Kiskeya, Éric Jean-Baptiste dans le micro Beethoven François Fils. Nous déplorons et nous regrettons un peu les déclarations racistes du président américain Donald Trump fait sur le peuple africain, sur le frère d'action haïtien, pareil. Nous. Mon bêtise, ça n'a pas fait l'honneur du tout, il n'a pas digne du peuple américain. Heureusement, ce n'est pas l'opinion majorité. Monsieur Trump est capable de dire c'est un très bon élève dans traîner dans la boue vestige institution qui relie la présidence. Là. Parce que le monde aujourd'hui, c'est un plat mêlé. Le babo ici, nous-mêmes, n'a toléré un ancien président marché dit sale, tout en sens que la presse, là, l'université a. La police des mœurs, pas j'aime pressentir contre lui, c'est des mondes à garder nous tous. Il est temps pour nous mettre deux voix par nous au propre pour que Haïtien petit nous capable de rester la caille nous. C'est vrai que nous sommes des Américains qui sont dans la savane pour nous prendre liberté. C'est vrai, c'est une vérité absolue que Haïti c'est maman liberté. Mais l'homme les gagne raison devant crasse tout, c'est bien pour bien. Nous-mêmes tous nous gagnons pas de responsabilité nous parce que pendant toutes 30 dernières années, c'est tétenade. Et un pays côté c'est mendicité, fatra, etc. Et ça me dit à l'y contrer la question droit monde, droit international. National, toute convention, yo, mais qui s'en a de faire pour relever, dites-nous, comme peuple? C'est orgueil, nous apprenons, il y a longtemps que nous n'avons pas gagné la route, il y a longtemps que les Haïtiens suspendent, et bien, il faut que nous ramassions, dites-nous, il faut que nous mettions main pour que nous soyons capables de prendre des nous ne pouvons pas dire pour que chaque grand haïtien mette main pour nous reconstruire pays nous pour nous rejoindre dignité nous pour nous prendre destin nous dans main nous il faut que nous commencions travail tout bon. Voilà, c'est homme d'affaires Jean-Baptiste, ancien candidat à la présidence en dernière élection, dans le micro Beethoven François Fils. Bon côté par le directeur exécutif RNDDH, monsieur Pierre Espérance, et condamné déclaration ça qui gravement grave, il souhaitait pour nous prendre disposition pour ramasser caractère non pendant il déplorait et déclaration Donald Trump. On attendait toujours dans le micro Beethoven François Fils. Non, quel traité pays ça, c'est pas des bagages que nous-mêmes nous sommes capables de répéter.
tellement c'est un bagage sale, c'est un fatra, il choque nous en pile, c'est un bagage qui est extrêmement grave. Il est clair que les Américains, en tout cas, il a qui voté Trump, et qui est haïtien là-dedans, tout. Il y a qui connaît Donald Trump, c'est un monde qui est raciste et en pile. Il y a une série de catégories de monde qui est italien, surtout noyaux, immigrants, qui étaient toujours en position raciste avec eux. Mais ce qui est grave là, c'est le fait que je ne le dis pas, c'est quand même président des États-Unis. Côté que il fait une déclaration comme ça qui est très raciste, nous avons dit que c'est une violation grave du droit monde. Et ça, c'est un bagage qui est révoltant. Nous même tout, nous avons une part de responsabilité, nous, parce que pendant toutes 30 dernières année c'est tétenade et un pays côté c'est mendicité fatra etc. Et ça me dit à contraire à question droit monde droit international toute convention yo, mais qui ça t'a de faire pour relever dites nous comme peuple ramasser caractère nous prendre et nous comme peuple les pays a vivons et ça nous a donné un type de citoyen engagé et actif qui respectait toutes normes yo et qui respecte toute valeur, tout principe du monde, côté que c'est intérêt collectif là et ouais, il doit le côté citoyen yo, et en même temps il gêne tout parce que l'inacceptable du jour aujourd'hui. Lorsqu'il est dans l'aéroport international là ou aller là pour garder des haïtiens qui a passé 4 5 jours parfois 6 jours là devant les portes là d'aller chercher la vie dans notre pays citoyen les camper et contre ça parle du état des droits que nous voulons que monde voulait construire en notre pays ça il pas qu'à construire avec bagaille sale bagaille désobligeant que monde a ce monde côté que il a attaqué vite nous. Voilà, directeur exécutif NDDH, là, monsieur Pierre Espérance, n'approché de l'heure fatidique, tremblement de terre 12 janvier 2010. Tant nous songeons, c'est exactement à 4h53 minutes, terre a été tremblée et quelques secondes, nous avons perdu tout le monde, ça y est, n'a observé un moment de silence, dans le moment que n'a privé dans l'heure exactement. Et à 4h53 minutes, et y a un moment de silence dans mémoire tout le monde qui disparaît, monde qui quitte nous et de façon prématurée, tout ça que nous t'aimons yo, y a tellement pile, nous pas qu'à citer nous yo, en pile, nous connaît qui perdu la vie yo, bon zone l'hôpital général, bon zone et par exemple l'autre prend ancien cathédrale là besoin de Sainte Trinité mais pas de côté pour mettre cadavre pile sous pile. N'a pas observé un moment de silence exactement à 4h53 minutes le tremblement de terre est passé. Raciste le ça a été réveillé tout côté ou pas j'aime gagner un monde qui t'ose dire un bagaille pareil complat apparaît ce sont d'abord nous connaissons comme misogyne qui parle de femme ou prédateur sexuel mais ensuite lui paraît comme un raciste comme un xénophobe monsieur oublie lui-même ce petit immigrant lié que madame ni son immigrante monsieur besoin qu'on y a ou rôle de continuateur des esclavagistes américains. Nous même tout nous gagnons part de responsabilité nous parce que pendant toutes 30 dernières années c'est tétenade et un pays côté c'est mendicité fatra etc. Et ça me dit à contraire à question droit monde droit état de fait pour relever dit nous comme peuple. Oublier en plus que l'état paysan et je ne vous dis c'est une conséquence de politique américaine en Haïti depuis 1915, donc depuis plus de 100 ans, et en particulier depuis 1957, sans nous pas parler de dernières intrusions de l'affaire haïtienne après Fitzgerald. Donc il y a même le responsable de situation pays, que ce soit économique, que ce soit environnemental. Il faut qu'il y ait des réactions officielles, très sérieuses, et il faut qu'on réaction de l'opinion publique haïtienne. Dans la diaspora haïtienne, voilà, Sileas Haïtien Arnold Antonin. Et puis, Kounelan Balda de Homme d'affaires Gaël Pinson, qui pas caché, genre choqué,
Il a fait des déclarations. Ça, il souhaitait pour gagner un réveil national, pour nous capables de prendre dignité nous en main en façon pour nous. Pour nous capables de prendre dignité nous en main en façon pour nous réfléchir, pour nous capables de rejoindre valeur par nous, de penser, nous devons réfléchir à l'autre gens. Nous attendons Gaël Pinson, toujours dans le micro Beethoven, François Fils. Nous comprenons tout le peuple haïtien, après qu'on fasse tout ça. Et c'est le moment pour nous présenter sympathie à toute famille qui te frappe, directement et indirectement. À lui tout, mais moi, tout le monde qui est allé, nous t'a souhaité que la catastrophe ça, par exemple, nous encore dans le pays. Après que le TPS a créé après le tremblement de terre, la communauté internationale, et particulièrement les États-Unis, à travers l'intermédiaire du président Obama, était évacué en paquet de monde. C'est un signe humaniste extraordinaire. Voilà que la veille du tremblement de terre, le nouveau président des États-Unis, c'est tout ça choisi pour traiter nous de tous les noms. On va me servir la téléphone pour qu'on connaisse. Et c'est tout ça tout, au moins, il frappe le pays. Nous même tout, nous gagnons pas de responsabilité, nous, parce que pendant toutes 30 dernières années, c'est tétenade. Et un pays côté c'est mendicité, fatra, etc. Et ça me dit à les contraire à la question droit monde, droit international, toute convention. Yo. Mais qui ça nous a de fait pour relever, dites-nous, comme peuple? Ça fait nous mal, effectivement, en tant qu'haïtien. On réfléchit tout. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas respecter tout. Parce que conseiller de comportement irresponsable, nous avons occupé des hautes fonctions dans le pays, qui va être un petit comportement que vous gagnez, et bien, mon cher, si vous ne respectez pas tout, vous ne pouvez pas respecter. Donc, ce sont des bagages qui sont très malheureux de nous condamner. Ce sont des sujets de réflexion au niveau national qui dérivent ça. Pas de nom, pas qu'à qualifier, et bien, pour stopper une fois pour toutes. Parce que c'est pour un exemple, ni pour petit nous, ni pour nous-mêmes, ni pour la communauté internationale, là, on ne peut pas continuer. Tout le monde était sans réaction, ou va aller par là, on a tout fait, et pas aucune réaction, ni du côté du gouvernement, ni du côté de l'État. Mais mon cher, c'est tout à fait normal que les étrangers paraissent très mal. Quand on respecte l'unité, en tant que nation, en tant que peuple, qui élève, qui exemple, qui modèle de la population jeunesse. Regardez avec toute bonne bagage, toute insanité, toute bagage, qui m'a dit, on va applaudir tout le monde. Quel modèle, qui ça gagne, qui pays qui n'a pas gagné, qui s'en a piqué pour petit, nous. Voilà, Gaël, Pinson toujours dans le micro Beethoven, François Fils, professeur droit international de diplomatie et consulaire, James Boyard, et dénoncé déclaration président Trump-Lan, et lui rappeler qui personnalité Trump-Lan y est, et qui toujours, c'est un comportement raciste qu'elle toujours gagne, lui qualifier de manque élégance tout. Et réaction ça, Jean-Claude Paléa, professeur Bouillard, et notez tout, président, pas connaît histoire pays, ça qui est les Haïtiens, il souhaitait pour autorité pays d'Haïti, condamné avec fermeté, déclaration raciste. N'abtenez, professeur James Bouillard, dans le micro, Beethoven, François Fils. C'est des propos qui, que nous estimons qui très malheureux. Très malheureux, pas pour Haïti, parce que Haïti, est une grande nation, un grand peuple. Donc les propos de Donald Trump ne sauraient affecter la dignité du peuple haïtien, mais c'est des propos très malheureux d'abord pour le peuple américain qui sont affectés de leur dignité d'avoir un président tel que Donald Trump pour les représenter. Donc ce qui fait que nous toutes nous songer la personnalité de Trump, qui ont une personnalité qui frise le racisme, qui frise la xénophobie, qui même frisait la misogynie, parce que des fois, il y a des propos qui allaient à l'encontre des femmes. Donc, c'est très malheureux en ce sens. Un président américain qui traditionnellement représente comme le leader du monde libre, du monde civilisé, qui en 2018, capable de genre de propos sérieux, c'est extrêmement malheureux. Ça encore est exprimé non seulement le manque d'élégance de Trump, mais également l'ignorance et encyclopédique même du président américain, du président Trump, qui ne connaît pas l'histoire, parce que si un président américain est capable de déclarer que Haïti est un pays de merde, sur ce point il a raison, mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que cette merde-là, c'est une merde made in USA, parce que la merde dans laquelle vit Haïti a obligé des milliers d'Haïtiens à fuir Haïti pour aller aux États-Unis, mais c'est une merde entretenue, créée, générée par l'exploitation des États-Unis, par la domination américaine. C'est parce que justement, ingérence américaine dans la politique et en Haïti a généré l'instabilité politique et ceci et depuis 1991, depuis l'ingérence des États-Unis et la politique haïtienne, l'implication des États-Unis dans le coup d'État de 1991. Donc ce qui fait que cette merde est générée par les États-Unis. Pedego Electric Bikes make riding more fun.
An electric bike is just like a regular bicycle, only better. You can pedal normally, or not, and get power when you want it. You have the freedom to go farther and faster, and to conquer hills and headwinds with ease. Pedego electric bikes have been featured in Newsweek, the LA Times, and the New York Times. They've earned 5-star reviews from hundreds of delighted customers. There are plenty of reasons to ride a Pedego electric bike, and the best reason is simple. It's fun. And who doesn't like to have fun? For a limited time only, visit our website to claim your free 1-hour rental at one of over 60 dedicated Pedego stores around the world. Hello, fun! Que cette merde est générée par les États-Unis eux-mêmes. Nous-mêmes, tout nous gagnons part de responsabilité, nous, parce que pendant toutes 30 dernières années, c'est tétenade. Et un pays, côté, c'est mendicité, fatra, etc. Et ça, monsieur dit, à contraire à la question droit monde, droit international, toute convention. Yo. Mais qui ça nous a de fait pour nous relever, dites-nous, comme peuple? Les autorités haïtiennes ont le devoir de réagir de manière ferme, mais également de manière raisonnable. De manière ferme, pourquoi? Parce que c'est des propos venant du premier représentant politique, du premier représentant diplomatique d'un pays étranger, et tel que les États-Unis. Eh bien, la chancellerie haïtienne a le devoir de manifester son mécontentement face à de tels propos, et ceci de manière ferme. Voilà, professeur James Boyard, qui c'est professeur droit international, diplomatique et consulaire, et dans le micro, Beethoven François Fils.